Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Classified France 44. On est toujours en live hein, et on avait un choix à faire, donc on va regarder un peu plus en détail. Ici, on a un chef breton qui se retrouve pris en étau entre deux planques. Exfiltré de Bretagne, celui que l'on surnomme la Croix Noire, avant qu'il ne se fasse capturer ou tuer par les Allemands. Donc, on doit le secourir, le contacter sans se faire repérer et tuer moins de 4 ennemis au cours de la mission. Ah oui, la vache, c'est... Là on trouve un fusil à pompe, qui met de la confusion, un fusil à verrou, un field avec rien de... Ah si, il a beaucoup de capacité en plus, ok. Très bien, un Luger. Et on a un groupe de combattants des FFI. Ah, sympathique. Ok. Et donc ici... Donc là, si on ne fait pas cette mission, une nouvelle unité de Feldgendarmerie sera débloquée. Ce qui est quand même très très gênant. En plus, on a 1000 XP de plus à se faire. Si on le tue au corps à corps, on gagne plus. Et si on tue les ennemis sans se faire repérer, on gagne plus. Sachant que c'est une embuscade, donc on pourra en tuer qu'un certain nombre. On gagne une carabine, un Garand et un Gewehr. Ok, trois fusils auto semi-automatiques. C'est quoi ce jeu où il te demande de ne pas tuer les ennemis? Bah écoute, si on veut être discret, il faut pas tuer les ennemis. C'est malheureusement... quand on tue des gens, ils ont tendance à s'en rendre compte. Alors ce truc-là n'a aucun bonus. Celui-là a plein de bonus. Par contre ça fait 6 de dégâts et 4 de dégâts critiques contre 5-2. Donc ça c'est le niveau 2 quoi. Et là... 20 aux chances de coups critiques... ne peuvent pas être esquivés, on ignore un point de blindage, 5 au bonus de camouflage, 1 aux munitions. Bon, les récompenses sont pas mal. Bon, là, on est sur de la mission létale, par contre. L'autre, on était aussi sur de la mission létale. Seulement brutal, ça va. Alors après, j'avoue que la question se pose. Ici, on va booster les radicaux. Ça va devenir une région clé, et en plus... on gagne une force française qui pourra perturber une Feldgendarmerie. Là, on gagne, si on fait pas celle-là, on gagne une deuxième Feldgendarmerie, ce qui fait que notre force française, en gros, sera automatiquement compensée. Donc j'avoue que la question se pose. J'avoue que la question se pose. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer King, probablement, pour réparer la région ici. Blessure, non, il n'y a pas besoin, on peut s'entraîner. On peut aider une faction, vu qu'on a beaucoup de monde là. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, on a beaucoup de monde. On va envoyer Cassady. Et on va essayer de booster un petit peu nos relations avec les radicaux en plus. Celle-là, elle me tente bien, quand même. Hein. On a des récompenses sympathiques. On rend le truc région clé, on aide les radicaux. Je pense qu'on va partir sur cette mission. Hein. On va prendre du coup, tuer les ennemis sans se faire repérer. Donc il nous faut notre éclaireur. Il va nous falloir lui. On va prendre Chocho et Bélanger. On va voir combien de soldats max. Alors... pour le moment, mais ça a l'air d'être quand même plutôt une thématique, on peut en avoir que 4 en mission, même si des fois ça change, genre là tu vois, typiquement on en aura plus parce qu'on va secourir des gens. Mais on peut en envoyer 4 maximum. Après, en ici là, en nombre totaux, je sais pas encore. Je sais pas s'il y a une limite en fait, parce que régulièrement on a des missions, on peut recruter du monde. Qu'est-ce qu'il y a une vraie limite, je ne sais pas. Allez, on va se taper un peu de plus de Feldgendarmerie. Et vu qu'on en a neutralisé une pendant 4 jours, ça veut dire 2 missions minimum. C'est pas si mal.
Peu long chargement sur cette mission-là, tiens. Et du coup, est-ce qu'ils ont des temps de repos entre les missions? On peut tous les enchaîner avec les mêmes. Alors, ils ont des temps de repos. Chaque mission leur met un de fatigue. Et chaque un de fatigue leur enlève un point d'action. Donc, si le mec, il a un de fatigue, bah, au lieu d'avoir 12 points d'action, il en a 11. Tu peux l'emmener quand même, mais il en a 11. Et après, ils peuvent aussi avoir des blessures physiques qui leur enlèvent des PV. Ou des blessures au moral qui leur enlèvent des points de morale. Alors, regardons un peu. Il faut entrer en contact avec lui. Il est planqué sous son tunnel, très bien. Tu as de moins de 4 ennemis au cours de la mission, ok. Et il faut le contacter sans se faire repérer. En gros, on est sur du full discret, quoi. Quoi ? J'espère qu'il y a des ennemis par là. On va essayer d'avancer jusqu'ici pour voir un peu. Ouais, voilà, il y a des ennemis là, ok. Des ennemis en haut. On a trouvé un officier confirmé de type Panzergrenadier. Ah. Le conférer des PA supplémentaires. Ah, saloperie, quoi. Il est au-dessus. Très bien. Est-ce qu'on a moyen de grimper? Ah, on peut escalader, là. Ok, très bien. Donc là, il y a lui, éventuellement, à éliminer. Là, il y en a un qui garde le truc et qui patrouille sur la route vers nous. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un peu attention. Là, il y a un buisson. On est trop loin pour mettre un coup de couteau. On va mettre plutôt toi. Oui. Quoi ? You need me. Toi, tu vas te foutre dans le buisson là et tu vas probablement éliminer celui-ci. D'ailleurs, tu pourras le faire maintenant, en vrai. Vas-y. Lui, je sens qu'il va nous faire chier si on va passer là. Donc, on va se le faire direct. L'autre qui patrouille sur la route, on verra si on peut éviter. Et du coup, vu qu'on est... On a notre petit truc d'assassin, on peut avancer dans un petit buisson. Ok. Donc lui patrouille la voie ferrée, là il y en a un autre qui patrouille là. Lui patrouille là, il y en a un ici qui patrouille dans la zone intérieure, ce qui est gênant. Il va falloir qu'on y fasse gaffe. Donc objectif pour le moment, des buissons. Et on avance. On n'a pas de jauge de temps. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas de... gens qui apparaissent ou de renforts ou quoi que ce soit. Donc on peut prendre notre temps. Toi, du coup, tu peux pas atteindre un buisson maintenant. T'es pas trop mal ici. Allez, vas-y. Et... Lui vient vers nous. Ah, en plus c'est un mec qu'on peut pas tuer discrètement. Ça c'est dommage par contre. Oh putain, puis en plus il va aller voir notre copain là-bas. Est-ce que ça compte comme un repérage? Bah de toute façon on peut pas le tuer donc. Il y a un moment voilà. Alors toi tu peux avancer jusqu'à ce petit buisson. On avançait jusque là, mais l'autre va patrouiller par là-bas après, donc attention. Vas-y, va par là. Soldat de division blindée. Il est où lui? Il est là, d'accord. Salut Alastre, bienvenue sur le live, hein. J'espère que tu vas bien. Alors lui, ce serait bien de se le faire quand même quand il va passer, donc on va mettre Chouchou en position. Dans le petit buisson là, pour le choper au passage. On verra si c'est nécessaire. On va essayer d'avancer quand même. On a un buisson juste là. Vas-y, prends. Ennemi. Un autre là-bas, ok. C'est le plus chiant, ça va être lui, là. J'espère qu'il va pas détecter notre futur collègue. Sinon, ce serait un peu abusé. Est-ce qu'on sait déjà où est la sortie? Je vois pas de zone. Je pense qu'elle apparaîtra quand on aura contacté le mec.
Ok, tout le monde est dans ses petits buissons. On y va. On va peut-être essayer de pas le tuer, celui qui patrouille là. Au cas où, il faut qu'on élimine des gens ici pour s'enfuir. Non, ça ne va pas bien à cause d'un vilain streamer dont tu tairas le nom. T'as encore envie d'acheter des jeux. Ah, c'est des salauds ces streamers. Faut pas leur faire confiance. Mais heureusement, ils te proposent des codes de réduction, donc ça va. Du coup, ils te donnent envie d'acheter des jeux, mais... à coût réduit. Heureusement, c'est des gens bien. C'est des gens bien, les streamers. Alors, comme prévu, on va devoir attendre que l'autre se tire. On va quand même prendre ce buisson, histoire de gagner un petit peu de temps. Alors lui, il va faire demi-tour dans l'autre sens. Et l'officier, on voit pas. On va envoyer un mec dans le buisson là. Ok, il fait demi-tour aussi, donc globalement, ça risque d'être impossible de passer en haut. Il faudra passer en bas. Vas-y, redescends. Toi, tu vas rester là. Je pense que t'es pas mal. Tu peux gagner quoi? Un peu de case ici, mais de toute façon, il faudra redescendre, donc c'est pas utile. La question, c'est lui. Est-ce qu'on se le fait? Pas sûr que ça soit utile, en vrai. C'est pire, c'est encore plus tentant. Ah bah ouais, mais après, il faut assumer. Il faut assumer. Con de la vilainie, le jeu en question n'est pas encore dispo. Tu peux, si tu peux, si tu prends l'Overlord. Et toi, t'as été hype par Crown War, du coup tu attends avec impatience. Bah c'est pareil, j'essaierai de vous avoir un code de promo sympa pour Crown War, tant qu'à faire. Si je vais jusqu'ici avec Chocho à se faire repérer. En mouvement. Donc on va se placer là, au moins on pourra aller se mettre dans ce petit buisson là, éventuellement. Ah, on peut aller dans ce buisson là, cela dit. Ouais, on va aller dans ce buisson là, on va abandonner l'idée de tuer celui-là, normalement il devrait pas nous emmerder. Si on n'est pas détecté, il nous emmerdera pas. Si on est détecté, bah c'est autre chose. Mais je pense que la sortie, il y a des bonnes chances que ce soit par là, ça serait logique. T'es dit que t'achèterais rien avant de Crown War et là t'as envie de craquer. Ah, sois fort Alastre. Seulement, regarde, c'est seulement 29 euros. Putain, ils nous font chier, là, lui, là. Ils nous empêchent de passer. C'est abusé, ça. Alors qu'on a éliminé l'autre, là-bas. Et en plus, lui, il se tourne par là. Ah ouais, putain, la double punition, quoi. D'accord, donc en fait, il faut qu'on fasse le tour. Pour se débarrasser de lui, parce que de toute façon, lui, il bouge pas et il coince la vue, là. Bah Chocho, c'est pour toi. Les autres, ils vont rester coincés là comme des cons. Bah ouais, vous restez coincés là comme des cons, je suis bien d'accord. Mais il va falloir qu'on bute lui pour libérer la place, qu'on attende que ces deux-là soient pas tournés vers là. Parce que si on tue celui-là et celui-là, ça nous laisse plus que un de latitude, c'est un peu tendu. Donc on va essayer de vraiment jouer fufu. Le principe de la mission. On ne tue que si on est obligé. Alors lui, il va couvrir ça, du coup, on va pas pouvoir avancer tous les coups. Ah non, il est coincé par le buisson, donc ça va. Donc là, on est d'accord, on est toujours pas capable, hein, ouais. On est obligé de passer sur cette case-là, donc c'est mort. Et toi, on est d'accord que tu peux traverser la petite barrière. Ok, très bien. Donc du coup, tu peux pour l'instant pas faire grand-chose. Il y a lui qui nous emmerde. Alors c'est sûr que si on le tue, ça serait vachement plus serein. Hein. Mais on peut quand même longer la clôture, aller par là, se préparer, aller ici, je pense. Vas-y. Hop là. Comme ça. Dès que ce sont barrés, on le chope. Alors on n'aura peut-être pas assez de mouvement, mais on verra. Eux ils reviennent, mais on voit qu'ils partent quand même très loin. Hein. Donc il y aura peut-être moyen de passer. Et là, au final, il y a moyen de traverser. D'ailleurs, je vais peut-être envoyer quelqu'un traverser pour voir.
Ok, lui va se retourner. Donc si on va contacter, il faut qu'on fasse gaffe de se mettre à un endroit où on n'est pas... on n'est pas visible. Voilà, là on aura une vision sur eux, très bien. Un éclaireur, un grenadier, ok. On est dans notre buisson. Alors, Chocho. Oh, elle peut aller mettre un petit coup de cut, là. Par contre, après, elle est à poil. Donc, ce serait bien de savoir s'il y a des gens qui vont voir. Lui, normalement, fait demi-tour. Dans la zone de bruit, on n'est pas trop mal. Sauvegarde rapide. Le truc, c'est qu'il y a aussi Millenia qui va sortir. Millenia, je ne le connais pas, pour le coup. J'espère que lui va pas me voir en se retournant. Ah oui, le Sieve-like de Paradox, oui, c'est celui-là. Là, du coup, si je peux aller le contacter, après, il faudra que je me barre. J'aurai assez de points, normalement, pour me planquer. Allez, vas-y. How did you sneak past them all? Lead the way, fantôme. Ok, la sortie est là-bas. Bon, là il faut qu'on se planque pour que lui, quand il se tourne, ne nous voit pas. Est-ce qu'on peut aller... Ah, on peut aller jusque dans un buisson là, vas-y. Et lui, il a un fusil semi-automatique, ok. Très bien. Wow, tu peux aller jusqu'où? Tu peux aller jusque dans ce buisson-là, mais ça sert à rien. L'idéal, ça serait plutôt que t'ailles là. Ouais, ça t'est planqué. Ça rapporte quoi de faire les objectifs secondaires? Bah, c'est plus d'XP et plus de récompenses à la fin, ouais. Chaque objectif secondaire donne de l'XP et du ravitaillement. Donc là, on va savoir si Chocho se fait repérer, c'est la merde. Encore un paquet de monde sur le chemin. C'est surtout le sniper là qui a potentialité de la repérer. Ah, le suspense! Et merde. Ah, et en plus, ils attaquent direct. Ah là là, terrible. Non, je vais la recharger, du coup. Il perd cette partie, c'est pas trop grave, il essaie de sauver un breton. Et pourtant, on va la réessayer. Ah, l'idéal, ça serait de tuer avec le mec qui est fait pour ça, mais il est trop mal placé, là. Je m'attendais pas à devoir faire tout le tour. Ah non, justement, leur vision n'est pas basée sur le mouvement, malheureusement. Ça serait si simple. Après, genre, dans Last Train Home, là, on a débloqué des compétences sympas avec les éclaireurs qui font que s'ils bougent pas, ils sont automatiquement furtifs, même en plein milieu d'une... Même en plein milieu d'une rue. Oula, on se calme, Chocho. Personne n'a besoin de soins, tout va bien. Quoi? Alors, du coup, on va aller se poser là-bas. On aura plus de latitude de mouvement. Et toi? Ça vaut le coup d'aller prendre un petit buisson. Non, parce que de toute façon, l'autre va nous recoincer la route là, donc tu seras obligé d'aller par là-bas de toute façon, donc non, pour le moment. Reste là, on va être coincé là du coup, parce qu'ils vont pas pouvoir...
On va pas pouvoir repasser, l'autre qui nous poursuivra, nous surveillera. Mais c'est pas grave, on prend le temps. C'est de la mission de furtivité, il faut pas que j'ai envie de me précipiter en fait, c'est ça le truc. Donc il faut rester safe. Parce que le problème des missions de furtivité, c'est aussi qu'il y a tellement de monde. Genre là, on a une dizaine de types à gérer, et en plus c'est des mecs d'élite. C'est juste ingérable. Si on est repéré, en plus il n'y a pas de couverture, on a juste des petits buissons à la con. C'est la mort. Ils ont des chars tigres à quelques lettres près, c'est des T-Rex. Ça peut s'entendre. Là c'est pareil, hein. Là si je le tue, l'autre va se retourner, donc il va me voir après. On va peut-être devoir essayer de se faufiler quand même avec celui qui regagne du mouvement là. Je peux aller jusqu'où? Je peux aller jusque là sans trop de problèmes. Vas-y. Il est mi-T-Rex, mi-homme et remi-T-Rex derrière. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur les nazis, mais c'est clair que c'était pas des hommes. Tac tac tac. Ouais, là j'ai pas moyen de me mettre placé avec un couteau pour le tuer, donc on va partir par là avec elle. On traversera la voie pendant que le mec se tire. On va aller le tuer avec lui parce que lui en fait il a assassin, ce qui est qu'il a des PA quand il arrive à tuer au corps à corps, et donc on peut se replacer après avoir tué. Ce qui est excellent. Lui du coup il va faire le tour là, comme ça il va surveiller son copain, très probablement, voilà. Ce serait plus simple la grenade, ah bah oui, mais cependant moins discret. Mais c'est bien d'avoir des missions, il y a des missions d'assaut, hein, où vraiment on commence pas du tout dissimulé, l'objectif c'est de dépouiller un max de monde. Ah putain l'autre il s'est retourné, fait chier, j'aurais peut-être dû l'éliminer lui. Mais là, il y a aussi des missions fufu, je trouve ça sympa. Vas-y, traverse, planque-toi dans ton buisson. Ah, la zone de sortie est bien couverte aussi. Du coup, là on attend d'aller le contacter. Ici, du coup, bah, on est coincé en vrai. Hein. Ouais. Y a lui qui regarde par là, lui qui regarde par là. On est coincé dans notre buisson. Et en plus, je dois pas tuer, ouais. Si je pouvais tuer, j'en aurais déjà éliminé 2-3 qui font chier, quoi, mais... En plus, je dois pas tuer. Et franchement, c'est pas mal d'avoir ce genre de changement dans le gameplay ou dans les objectifs, quoi. Parce que c'est facile de se dire, on avance, on bute tout le monde, couverture, on tire... Ah, ça change. Ok, comme ça, on surveille la sortie... Lui il bouge pas, donc ça veut dire que si on veut pas le tuer, il faudra passer derrière. Sachant que celui-là on peut pas l'éliminer furtivement, c'est un mitrailleur. Ah mais bordel, ils sont partout quoi. Alors là du coup je peux quand même me faufiler jusqu'ici. C'est pas si mal en vrai. Hop. Ouais, est-ce que je pourrais pas en profiter pour t'avancer un peu, histoire que tu glandes pas trop, genre là, là. En mouvement. Là. Alors, après, je suis d'accord que, d'un point de vue stream, c'est peut-être pas les missions les plus sympas à regarder. Là, pour le coup, je suis désolé. Mais d'un point de vue purement gameplay, je trouve ça intéressant. Ok, normalement là les deux vont se tirer, très bien, on pourra aller buter celui-là. L'autre il va faire demi-tour, mais on est trop loin, et de toute façon...
On devrait pouvoir se replacer. Ah non, il est surveillé par le snipe, mais sérieusement. Est-ce que j'ai moyen de choper un angle pour le pour me le faire? Bah non. Ah, mais quel enfoiré! Attends! On temporise, on attend, on observe. On récupère de l'information. Lui devrait pas trop avancer. J'espère. Il y a encore lui qui surveille là, donc même si on le tue, on va devoir attendre un tour. Ok, donc là du coup c'est lui qui va se tourner. Mais on a la possibilité là. On est d'accord, c'est bien toi, t'as assassin. Oui, t'as assassin, vas-y. Foute-le. Et après, tu vas te foutre ici. Dans ton petit buisson. Voilà. Toi, tu restes dans ton petit buisson le temps que l'autre se tourne. Toi, tu vas gagner 3 cases avant de se mettre dans ce petit buisson-là. Toi, pareil, tu vas te mettre par là. Et on est bon. Et il y a lui qui surveille ce foutu tunnel, putain, mais... Et ça, il voit peut-être pas assez loin, on va peut-être quand même pouvoir le contacter, on va voir. Ah, c'est clair, hein, on se pose avec notre barre, on avoine toute la zone là, et on n'en parle plus, quoi. Mais... c'est tentant, je ne dis pas le contraire. Dis pas qui. Oh, mais non. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer par l'autre côté? Bah non, il y a l'autre qui regarde aussi. Et bah, c'est pas grave, on va passer le tour. Il y a moyen d'accélérer les animations. Oui, je pense, là, avec espace, on peut, en vrai, mettre plus vite, si on veut. C'est vrai que j'aime bien regarder les gens bouger, même si je suis un peu... je suis pas dérangé par ça, on va dire. Attendre. Mais c'est vrai que là, c'est peut-être un petit peu chiant. Je vous l'accorde. Allez, go. How did you sleep past them all? Lead the way, Phantom. Alors par contre, du coup, il y a l'autre qui nous surveille, mais il va se tirer. Donc on va se placer le mieux possible, genre par là. Et toi, est-ce que tu peux gagner un petit peu de place? Tu te mets ici, tu vas te faire voir. Tu peux te rebarrer dans un buisson là, mais il y a l'autre qui va avancer. Il y a lui qui va faire demi-tour. Ça pourrait être pas mal en vrai. On se met dans le buisson là, après on passe dans son dos. Ici, il va se passer quoi? Là, il y a lui qui va faire demi-tour. Lui va se barrer.
Là, on va traverser avec lui. Je pense jusque là pour avoir une bonne vision des ennemis. You want me? Toi t'es coincé. Et toi du coup, j'ai bien envie de te mettre par là. Lui il va se retourner par là-bas, l'autre il va se retourner par là-bas. Donc normalement on devrait être pas trop mal ici. Allez mon cher Lucien. Et ici on bouge pas. On pourra éliminer celui-là pour pouvoir nous se placer là plus facilement. On va voir. Ok, là on peut sortir. Et jusque là. I'm here. Hein? Ouais. You want me? Toi, tu peux aller jusqu'à ce buisson. Éventuellement là. C'est un peu risqué là. On va te faire aller jusqu'à ce buisson. Et ici, il est parti où l'autre là? Ah, il est là. Ah, il faudrait l'assassin là si on veut le tuer. Là. Parce que du coup, lui, bon, il va continuer d'aller par là. L'objectif, ça pourrait être de se planquer derrière ce petit muret là. Le temps que lui passe, dès qu'il est passé, on se précipite. Sauf que s'il y a lui qui nous emmerde, c'est risqué. Lui avance par ici. Il va continuer d'avancer par là-bas. Ah, tu t'occupes de la SPA, Alias, c'est cool. Obiti fait oh. Quoi? Vas-y, toi, lâche ce buisson, Chocho. Quoi? On va se préparer à se placer par là-bas. T'as déjà bougé, donc tu peux aller un petit peu plus loin. Allez, c'est parti. Et tu vas promener des chiens bénévolement de temps en temps, c'est sympa. Ah mais lui, il fait un sacré chemin en fait. Donc on a peut-être moyen quand même de se faufiler sans qu'il nous emmerde. Lui surveille là, donc là on a moyen de se mettre derrière le petit muret. C'est dommage qu'on puisse pas s'extraire un par un. Il va falloir qu'on soit tous placés. Et derrière le muret, il y a combien de places là? 1, 2, 3, 4. Ah. Ah. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est trop loin. C'est bien trop loin. Moving. Bon, du coup, on va se placer tous là. You need me? Moving out. L'objectif est validé. Oui, l'objectif discret est validé, ouais. Je peux complètement rusher comme un bourrin. Mais il faut quand même que j'arrive à te mettre tout le monde là dans un tour. Parce que si jamais j'y arrive pas, les mecs derrière, ils vont se faire défoncer pendant le tour de l'ennemi, quoi. Il n'y a pas de débat là-dessus, quoi. Très clairement, ils vont nous allumer. Est-ce que j'ai des armes non létales? Non. C'est couteau. Moving. Couteau et arme à feu pour le moment.
Allez, on se prépare à traverser cette petite route. On s'entasse derrière le petit muret, voire derrière ce petit truc-là, et après on se tire. Là, lui, il en est où? Il revient vers nous, je pense. Ouais, il revient vers nous. Ils niqueraient leur morale sans faire trop de dégâts pour limiter les ripostes. Non. Bah après, les grenades font pas mal de dégâts au moral, même si elles font pas de dégâts, et la mitrailleuse aussi fait énormément de dégâts au moral. Les couteaux, c'est ce qui fait quasiment le plus de dégâts au moral, en vrai. Ouais, là, mais là, on va pouvoir s'exfiltrer, là. Parce que lui, il va encore mettre 2-3 tours à revenir. L'autre, il est hyper loin, là, l'éclaireur, là-bas. Donc oui, non, je pense que ça va le faire, là. On y va. En plus, lui va faire demi-tour, donc on va être bien. Question étant, du coup, est-ce qu'on se met genre par là? Y'a qui? Y'a lui, il continue de patrouiller par ici. L'autre, il est loin. Et si je me mets là... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ah, ce serait pile poil, quoi. Et dans tous les cas, on pourra en mettre qu'un, parce que derrière, il faut qu'ils aillent en diagonale. Donc on va se passer par là. Oui. En mouvement. Bien en tas. Yeah. Moving out. On est discret. On est discret à l'astre. On est capable de marcher sans faire crisser tous les graviers du monde. Moving. Yes. En mouvement. Voilà, exactement. On est des elfes des forêts. You want me? Moving. En plus, on parle dans leur dos. Mais comme on parle français, ils comprennent pas, donc ils s'inquiètent pas. Bon. Pas si mal. Petite recharge, franchement, ça se prend. Ouais, les objectifs secondaires, ils donnent un petit peu d'XP, un peu de ravitaillement. Donc là, pour répondre à ta question de début, Mazamara, ils gagnent un point de fatigue, tu vois, donc ça c'est le point de fatigue de leur mission. Et si je les renvoie en mission directe, bah, ils auront un point d'action en moins pour toute la mission. Tu es encore un mec, tu as le droit. Le problème, c'est que je perds mes points d'action et je risque plus d'être repéré. Le seul que je pouvais tuer, c'était le médecin. Et vu la distance auquel il était, c'était pas dit que je puisse le tuer et sortir dans un même tour. Même en regagnant mes points avec l'assassin. Et on passe niveau 6 avec les radicaux. We got our guy back safe. He's now busy organizing the resistance against the Krauts. Alors, une unité des FFI ou Cross Forces de l'intérieur peut être utilisée pour neutraliser temporairement les jetons adverses ou interrompre les représailles. La tâche recrutement de FFI est désormais disponible et vous permet de former davantage d'unités. Ah, cool. We got ourselves some backup. We can now deploy free French units to tie the enemy up for a while. Looks like the Germans got our man. We're not in good odor with the resistance right now. Donc là, du coup, ils ont créé une autre unité. Eux sont encore indisponibles. Donc on a chemin de fer. Les deux celles-là sont pleines. On peut donc débloquer chemin de fer. Les jetons ennemis n'augmentent pas le nombre de jours nécessaires pour accomplir une mission. Ok. Ou alors, les installations d'entraînement avancées nous permettent d'améliorer nos tactiques et d'apprendre de nos erreurs. Ok, 10% d'XP en plus. Au niveau XP, ça va.
On va aller chercher le chemin de fer, je pense. Tous les trucs qui jouent sur le temps, vu que le temps est limité, ça me paraît très bien. Donc lui, direct, il va... Oh, okay, il fait pas de représailles, juste il va se déplacer. Très bien, ça me va. Ici, on a réparé la région en Île-de-France. Ok, c'est parti. Du coup, il nous reste cette mission-là, et c'est tout. Ok, donc on fera cette mission-là. On va aller voir un petit peu ce que nous proposent les radicaux, maintenant qu'on est level 7 avec eux. On a gagné 2 niveaux du coup d'un coup, ça fait bien plaisir, on a un paquet de ravitaillement. Alors, ouh, une MG42, j'aime lire ça. Oh, la précision c'est de pire en pire par contre. Plus de dégâts, aucun effet par contre, ouais. Ok, pourquoi pas. On a trouvé un Luger, on a déjà débloqué un d'ailleurs, faut qu'on aille voir un peu ça. Un nouveau fusil de chasse, mais on vient d'en débloquer un aussi, on va peut-être pouvoir lui mettre mieux. Ah, donc ça c'est que pour Chocho. 16 de dégâts au moral et 4 de bonus de couverture. Elle a déjà un chapeau sympathique, je crois. British uniform. If the Bosch catch non-British in uniform, they will execute you as a spy. Ah, on a un nouveau couteau là. Oh, encore plus de dégâts au couteau et 34 de dégâts au moral. Oh bah oui. Alors ça c'est cool parce que c'est illimité, donc si on le prend, bah du coup on pourra l'équiper à l'infini sur tout le monde quoi. Donc on va le prendre bien sûr. Parti. On va aller voir un peu ce qu'on a débloqué avant de payer. Donc genre toi du coup, on a... Ah non, c'est toi. On a un nouveau fusil à pompe. Encore un 1887. On mettrait confusion au lieu de l'hémorragie. C'est pas mal, confusion. Ah, et 5 de portée effective. Ouh, c'est bon ça. Ok, vas-y, prends. Ah, j'avais pas eu qu'on avait même ce truc-là. Bah, du coup, non, plus que celui-là, encore mieux. Le couteau, ça one-shot pas les ennemis. Alors non, ça fait un coup critique automatique quand on est en furtivité, donc quand on est surpris, sur les ennemis qui n'ont pas trop de PV. Donc par exemple, les mitrailleurs, on peut pas. Les officiers, la plupart du temps, on peut pas. Et après, bah, on peut, quand on combat, une fois qu'on est détecté, ça fait des dégâts qui sont égaux au couteau, quoi. Par exemple, à la base, on commence avec celui-là, qui fait 3 dégâts. Plus 2 si on fait des dégâts critiques, donc 5. Là, on va pouvoir passer au couteau de combat qui fait 5 plus 2, quoi. Et surtout, là où ils sont très forts, c'est qu'ils font beaucoup de dégâts au moral, les couteaux. Et ça, les dégâts au moral, ça brise les ennemis. La plupart des ennemis ont entre 20 et 24 de moral. Donc avec un couteau comme ça, on est quasiment sûr, même si on les tue pas, on leur passe, leur fait passer le tour, quoi. Ça, c'est quand même vraiment pas mal. Alors du coup, on a débloqué un Luger, plutôt pour toi, je pense. On va sur 3 de portée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le flingue de base d'équipé? Toi, t'as le flingue de base d'équipé. Bah vas-y, prends donc ça. Donc il faut par contre qu'on l'équipe sur tout le monde, le couteau de combat. Donc on va faire une petite passe. Hop. Voilà. M'étonne que t'as pas le moral quand tu prends un coup de couteau. C'est sûr. Du coup, le reste qu'on avait eu... Là, on avait chopé un Enfield. De type faucon plutôt que aigle. On perd la compétence ici. Par contre, plus 100 aux munitions, plus 100 aux dégâts, plus 2 aux dégâts critiques. Mais on avait déjà ça, visiblement, sur lui. Lui en plus avait un bonus de précision. Un de munitions en échange de la précision, ouais. Et toi t'avais quoi? Là tu gagnes en dégâts critiques. La précision est identique et le gain en munitions. Par contre tu perds quoi?
La désorientation. Ouais, bah du coup, non, on va te donner ça pour le coup. Mon cher Hanson. Hanson Shinsuke. Ok, donc on n'est pas si mal en termes de fringues. On avait débloqué des trucs. Pas pour les Britanniques, pas pour les Français, ni pour les Britanniques, ni pour les Américains. Ok, très bien. Donc on va pouvoir aller voir un peu ce qu'on a fait maintenant. Welcome, comrades. Let us facilitate your evolution. Donc on a dit, toi tu veux une MG42. C'est sûr que globalement ça picote. Un peu plus de précision sur la dispersion. Donc ils ont une précision de merde quand on vise une cible. Par contre ils touchent assez efficacement ce qu'il y a autour. Normal, c'est une mitrailleuse. On passe à 14 de portée. Bah go, hein. Ça nous crame la moitié de notre ravitaillement, mais bon. Le chapeau de partisan pour elle, c'est pas assez intéressant. British uniform. If the Bosch catch non-British in uniform, they will execute you as a spy. Avant, c'est dommage qu'on puisse pas comparer avec ce qu'ils portent actuellement pour le coup. Je crois qu'on est déjà pas trop mal en termes d'équipement de tête. Donc déjà Johnson, mon cher Johnson, tu vas me prendre cette MG42 de type assaut. Son magnifique chargeur latéral. Et donc, les British. Donc toi t'as un casque qui donne du blindage, toi t'as un casque qui donne du moral, et toi t'as un casque qui donne du moral et de la récupération de moral. Ok. Et il nous proposait quoi? C'était celui-là. Dégâts au moral, maximum de moral et bonus de couverture. Ce serait pas mal pour toi. Bon, tu perds ton blindage. Mais encore augmenter tes dégâts au moral. Ouais, quoique t'en fais déjà pas mal. Peut-être plutôt pour toi, du coup. Ouais. Allez, go. On prend. 29, après on va se calmer pour garder un peu de ravitaillement dispo. Donc Tremblay. Hop. Maximum de morale 4, tu passes à dégâts au moral et bonus de couverture en plus de ton 4, c'est très bien. Et au niveau des niveaux, rapidement, 4 points de compétence pour toi, Ebé, Nardinus. T'es un égorgeur, est-ce qu'on te veut survivaliste en plus? On a quoi de beau? De l'esquive, dégâts des pistolets mitrailleurs, 50% la réduction des dégâts en étant camouflé, hein, rigolo. On va augmenter tes dégâts de couteau déjà. Ça ira bien avec ton build là. Récupérer le moral. Plus de chances de coup critique avec le truc. Précision du tir rapide. Plus de PV. Élimination furtive n'émettent aucun bruit. Ouh, bah oui. Bah oui. Toc. On va prendre la précision du tir rapide, parce que la Thompson c'est du tir rapide, on va aller chercher ça. C'est très bien ça. Et plus 1 PA, bah oui. Oui, il est très bien ce petit axe observateur là. J'aime beaucoup. Ici on a 2 points. Le coût des tirs ciblés est réduit de 1 PA. Ah bah ouais, carrément. Pour le snipe là, ça c'est hyper bien. Un peu de morale, pourquoi pas... DPV, renforcement après une élimination. De l'armure. Ça c'est pas mal. Le tir rapide c'est pas trop le trip. Recharger l'arme et aller chercher le PA là, ça me va bien. On va aller prendre ça. Lui, entre son bonus qui fait que s'il tue, il garde ses PA, et le coup de tir réduit, là, je pense qu'on va tirer à 4 PA au lieu de 6. Donc on pourrait faire 3 kills par tour si on a une bonne arme, quoi. Ici, on a gagné 1 point. On peut prendre le dégât sur les fugitifs, c'est pas mal, ça. Ici, on n'a pas de points. Toi, on a regardé, toi, on a regardé. Toi, t'as un petit point. Ah, il faut 2 pour... La surveillance qui ne s'interrompt pas. Par contre, on va aller chercher le dégât des mitrailleuses légères, là, en attendant.
Alors, toi, tu peux devenir invincible, mon cher Mazamara. 2 PV, c'est pas mal. Le tir de suppression, pourquoi pas. L'interruption automatique, ça c'est bien ça. On va aller chercher ça. Et il y a du PA ici. Déluge de balles. Alors là, il y a un bug sur le 0 PA après l'élimination à l'arme principale. Là. Je pense qu'une fois qu'on y sera rendu, ça sera potentiellement débogué. Toi, t'as un point, et il te fallait 2 points pour ton truc max. Et toi, Chocho, t'as pris 2 points et t'as déjà tout débloqué niveau héros. Réduit les dégâts au moral subis. Plus de dégâts au couteau. Les alliés récupèrent 100% de morale. Et on va aller chercher tacticien avec Chocho. Tiens, allez hop. C'est parti, on va prendre les PV. Hop. Chouchou me demande s'il reste des gens à renommer, je crois pas. Je regarde vite fait. Non, on n'a personne à renommer. On a une petite discussion à faire. Vincent, your ration packs are a gift from God. Food is hard to come by here unless you are friends with a farmer. I guess even oatmeal blocks taste good on an empty belly. How do you get by? I don't need to eat as much as some. A lot of girls date Francis so they can get food. But they need to date an officer. Ordinary soldiers only have black bread and cigarettes. Jeez. Back home we have rationing, but mom can still put full plates on the table at mealtime. It's the war. The people in the middle are always hungry. Always. Okay. Alors. Là, du coup, on peut déployer un FFI. Est-ce que ça nous coûte de l'argent ou un truc? Ah, ça le désactive pendant 4 jours. Ah, excellent. Par contre, j'imagine qu'après, il est cramé. On va recruter. Ah, il faut 18. Merde. Il n'y a rien qui permet de gagner. Aide à la faction, on va envoyer quelqu'un aider. T'es niveau 9 toi, on va plutôt envoyer Chocho. On va envoyer Chocho aider les radicaux pour essayer de réussir notre objectif là, qui est d'arriver à 7, à 8 sur 8 avec au moins 1. Ça nous débloquera une FFI. J'imagine qu'il va pas revenir, là, on l'a cramé, c'est vraiment une ressource. Hein. C'est probablement beaucoup plus rentable d'attendre. Genre là, si ils allaient se déplacer, donc j'aurais attendu qu'ils soient sur le point de se déplacer avant de le cramer. Ou qu'ils soient déplacés, qu'ils soient en représailles. C'est beaucoup plus intéressant, je pense, tactiquement. Mais bon, c'est pas très grave, on apprend sur notre premier. Alors, du coup, il nous reste quoi comme mission? L'opération Mirage, de type embuscade. Et en plus, on va aider les radicaux, excellent. Nous allons paralyser le réseau d'infrastructure de l'ennemi en lui portant un coup décisif. Prenez d'assaut leur QG. Ah oui, carrément. Éliminez le poste de commandement et brouillez leur communication. Neutralisez le poste de commandement, veillez à la survie de Delan. Donc là, on aura du renfort. Brouillez les communications ennemies et tuez des ennemis au corps à corps. Ok, très bien. Alors là, il faut qu'on fasse un max de trucs parce qu'on va avoir besoin de notre ravitaillement. Mais on va arrêter l'épisode de Veodela, et du coup, bah, bon appétit, Mazamara. On ne garde pas Elsen pendant le repas. Hein. Bah écoute, de toute façon, elle a pas voulu appeler votre bébé Chobiti, alors... Hein, voilà. Merci, patatatueuse, de nous avoir regardé. et merci à toutes et à tous sur la VOD. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à profiter des liens de réduction si le jeu vous intéresse. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.